Bonjour à toutes et à tous, ici XXXTheBossXXX93. Je vais vous montrer comment on modifie un enregistrement vocal avec le logiciel Audacity. Et en même temps aussi pour modifier une musique. Et après, je vais vous montrer comment la convertir en MP3 pour la lire avec iTunes. Donc, dans un premier temps, vous allez sur Google Chrome, Firefox ou Internet Explorer. Moi, je suis sur Google Chrome. Donc, après, vous êtes sur Google, vous tapez Audacity. Et puis, vous téléchargez. Donc, il y a soit sur le logiciel, sur le site officiel, soit sinon par Clubic, comment ça marche, 01net, que là on voit pas mais on peut télécharger sur 01net. Donc là je vous mettrai le lien du site officiel. Après l'avoir téléchargé, vous quittez pas le site officiel parce que il y a un complément à télécharger pour Audacity. C'est pour convertir les projets en MP3. Donc après vous allez sur, là c'est un truc, c'est Echo Loader MP3 là. Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien qui va directement à la page. Comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller sur le, de retourner dans le site. Donc ce lien c'est ça, c'est lame1buenzo.com.ar. Donc après là il se télécharge ici. Donc moi il faut que vous ayez soit Power Archiver ou sinon WinRAR, parce que c'est un fichier des fois il est en zip. Donc sinon le mieux c'est qu'il soit directement en exe. Donc là comme je vous ai montré, il est directement en exe. Donc après là vous allez le télécharger et vous l'installez. Après avoir fait ça, vous lancez Audacity. Alors voilà, après là vous avez un micro, donc vous cliquez dessus. Donc ce micro c'est pour enregistrer. Là les traits rouges c'est quand je parle. Donc après on va sur le bouton rouge pour enregistrer. Je clique. Bonjour tout le monde, j'enregistre. Bonjour, au revoir, ouais. Donc comme vous voyez, j'ai dit n'importe quoi. Donc c'était le but. Après vous allez sur soit l'outil de sélection qui est ici ou sur le mode multi-outil. Donc moi je suis sur le mode multi-outil. Donc après je peux enlever un blanc, un bout, un petit bout. Et là comme j'ai enlevé, et je vais aller sur le ciseau où il y a marqué couper et raccorder. Donc je coupe et on écoute. Voilà, j'ai coupé. Après avoir fait ça, vous enregistrez votre projet. Donc enregistrer projet. Ok. Et après moi je marque n'importe quoi. Et après avoir fait ça, vous allez vous retourner dans fichier. Sauf là vous allez dans exporter. Donc voilà, vous exportez et voilà. Donc après, s'il y a des noms à mettre, vous mettez. Donc, comme là, ça vous l'indique. Et vous faites OK. Excusez-moi pour le antivirus. Après avoir fait ça, donc vous gardez Audacity. Parce que après, je vais faire avec une musique. Donc vous allez dans vos dossiers, musique. Comme vous voyez là, il y a le projet et en haut il y a la musique. Donc regardez, je vous fais écouter avec ici. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est plus voilà. Impossible. Alors en même temps, je vais vous mettre en même temps le lien pour iTunes dans la description. Donc après voilà. Maintenant je vais m'attaquer avec une musique. Donc là je ferme le fichier, ouvrir. Et je vais prendre notre game, par exemple, pour aller attendre que ça charge. Donc voilà, après avoir fait ça, donc je refais la même chose, soit ça. Et je vais enlever la fin, et je coupe. Maintenant, à partir du tout. Thank you.
Les interviews m'ont donné trop de mots de tête. Donc ça fait rien de mal, mon truc. Vous enregistrez toujours pour votre projet. Sauf là, je me suis gens qui voudraient prendre mon tel. Et je vais pas l'enregistrer sur l'album parce que je pense que j'enregistre. Malgré ta couleur est belle, je vais dans un endroit où je serai pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Ouais, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose là. J'attends que ça se termine. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Et normalement, pour garder le sourire, je me disais qu'un pire. Si c'est comme ça, va faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire juste pour la rire. Et en même temps, je vais vous montrer comment on fait pour voir si vous avez la. Je suis parti sans mentir. Le DLL manquant, je vous montrerai. On le voit ici, manquant, fait exporter. Tout est enregistré. Et regardez, vous le voyez ici. Software, là, 3, 98, 4, VO. Donc ça, ça veut dire que vous avez là. Ou sinon, là, ça, FR, c'est-à-dire français. Et normalement, ça, vous allez le voir que vous l'avez. Donc voilà, moi je vais annuler. Et je ferme Audacity. Je reprends dans où il y a le Désolé. Celle-là, c'est la vraie, donc tant pis. Mais normalement, je vous dis que ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Donc là, je quitte. Et puis, merci pour cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'encouragera à faire plus de vidéos. Merci à tous et au revoir.